Bonjour, monsieur Arbenag Abrahamian, président de L'Arménie occidentale, l'Assemblée du Sénat, le Conseil national de l'Arménie du occidentale, donc c'est Conseil un. national de l'Arménie occidentale, dont je fais partie Alors, vous en faites tant partie, tout à que fait. député. Tout à fait, vous faites partie du Conseil national et vous avez participé aussi aux élections de l'Assemblée nationale pour faire pour et vous avez été élu en tant que député. Et c'est pour ça que lorsque vous nous avez proposé votre participation aux élections européennes, bon, effectivement, ce fut pour nous, je ne vais pas dire seulement une surprise, mais un projet intéressant. Un projet intéressant par rapport à la voie que vous nous avez proposée, particulièrement en ce qui concerne, on va dire, la défense des peuples. Parce qu'en fait, le thème que vous avez défendu de votre côté, c'était une Europe des peuples. Et c'est véritablement pour nous ce point-là particulier qui nous a intéressés dans votre démarche. Bien entendu qu'il y a une partie, on ne peut pas nier que ça a été que le parti que vous avez représenté était le parti des musulmans démocrates ou des démocrates musulmans. Mais la question de, on va dire, qui nous a intéressés véritablement, c'était la question des peuples et pourquoi? Parce que souvent vous revenez sur cette problématique de l'espace européen judéo-chrétien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est avant le judéo-christianisme de l'Europe, c'était même la partie romaine ou gallo-romaine, c'est-à-dire qu'on peut remonter très loin dans, on va dire, les influences religieuses qu'a subies l'Europe depuis plusieurs milliers d'années. Effectivement, lorsque l'Europe et même l'Arménie occidentale s'est convertie au christianisme, effectivement, même en Arménie occidentale, ça a fait l'objet d'une partition de la population. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la population qui a rejoint le christianisme d'Orient, il y a une autre partie de la population qui a préservé ses anciennes croyances, il y a une troisième partie de la population qui s'est rapprochée d'un zoroastrisme qui existait déjà dans les régions iraniennes de l'époque. Aujourd'hui, donc, nos populations d'Arménie occidentale, pour une partie, ont dû subir l'invasion de la Turquie et se sont convertis, je dis bien pour une partie, à l'islam. Ça signifie, ou de force souvent, à l'islam. Ça signifie que l'Arménie occidentale est un pays multiconfessionnel. Et ça, c'est important que je voulais vous le préciser, c'est-à-dire que même si le pouvoir de l'islam qui est lié au pouvoir de l'État turc s'est implanté sur nos territoires, au sein de nos populations, nous avons préservé cet esprit des anciennes traditions, cet esprit culturel, et donc nous avons véritablement un espace en Arménie occidentale multiconfessionnel. Donc c'est pour cette raison que j'ai voulu, en introduction de nos échanges, et surtout pour mieux connaître les résultats du travail que vous avez effectué, élargir un petit peu, on va dire, l'approche multiconfessionnelle de l'action que nous cherchons à mener à travers, bien entendu, le parti dans lequel vous-même vous avez travaillé et vous avez pu obtenir, donc, on va dire, vis-à-vis de ces premières élections européennes, des voix non négligeables, il faut le dire, qui font que vous avez espoir de poursuivre ce travail-là. Je vous transmets la parole et j'aimerais mieux comprendre aujourd'hui la situation.
Pour commenter un peu ce que vous avez dit et apporter de l'eau à votre moulin, je dirais déjà dans l'Antiquité, un historien romain disait que l'eau de l'Oronte se déversait dans le Tibre. C'était une allusion aux Syriens, parce que l'Oronte est une rivière syrienne qui coule vers le nord, qu'on appelle en arabe l'Arasi, n'est-ce pas? Se déverser dans le Tibre, qui est, comme vous savez, la rivière qui coule à Rome. Donc la présence du Moyen-Orient en Europe est très ancienne. Déjà, le nom d'Europe, excusez-moi, n'est pas européen. Europe, c'est un terme sémitique qui est le nom de la fille du roi de Tyr, de la Phénicie. Et dans la légende grecque, elle est emportée par le grand dieu grec Zeus, qui se transforme en forme de taureau blanc et qui va l'emporter, et elle va en Europe, justement, qui plus tard portera son nom, pour enseigner l'alphabet sémitique d'Ugarit ou de Jbeil, le premier alphabet du monde digne de ce nom. On peut continuer. Vous savez, à travers, quand on fait l'histoire de l'Empire romain, il y avait les Scyries. Les Scyries, c'était justement ces marchands qui traversaient la Gaule et non seulement la Gaule pour vendre les produits orientaux et faire du commerce. On sait très bien, encore vous qui êtes de Marseille, que le savon de Marseille, n'est-ce pas, est aussi une relique, hein, de la présence des Levantins. C'est eux qui ont fondé Marseille, en fait. C'est une ville phénicienne avant d'être gauloise, si je puis dire. Et on peut continuer, même à travers le Moyen Âge. Vous voyez, on a une place Marcadet à Paris, le métro Marcadet, c'est le nom d'une station. C'est un nom qui vient des chrétiens syriaques et non pas du latin, parce qu'on ne peut pas expliquer étymologiquement le mot Marcadet. Ça vient de l'araméen Marqadet, c'est le lieu où gisent les morts. Et déjà, on a des attestations que c'était, il y avait une église syriaque et un cimetière syriaque et un genre de centre culturel syriaque chrétien, hein, en plein Paris. Nous avons aussi, vous savez très bien, toute la correspondance entre Sainte-Geneviève de Paris, qui défendait Paris contre Attila, et Saint-Siméon le Stylite, qui est, si je puis dire, d'un village dans la banlieue d'Alep. Voilà. Donc, insister sur ces relations, comme vous l'avez fait, est quelque chose de très important. Mais je reviens au niveau, si vous voulez, géopolitique et de la philosophie politique de la chose. Certains vont vous dire, mais il y a un seul peuple français. Pourquoi vous dites les peuples? Est-ce qu'il y a différents peuples en France? Ben moi, je préfère dire oui, il y a différents peuples en France et ces différents peuples forment la nation française. Hein? Le terme de nation est plus juste dans ce cas-là. Parce que comme on est jaloux de nos produits régionaux en France, ben c'est normal. Chaque région présente peut-être une sorte d'entité hein, culturelle, civilisationnelle et qui se défend. Le Berry n'est pas le Lillois et ainsi de suite. Et ça, c'est important. Maintenant, venons au peuple qui arrive aujourd'hui. Vous allez me dire, alors les Arméniens de France, c'est un peuple? Mais bien sûr que c'est un peuple. C'est un peuple, tout comme les Basques. Et je dirais même, tous les immigrés, africains, musulmans, arabes, même d'Asie, tout cela, il y a quelque chose qui les relie. C'est aussi une nouvelle composante, c'est un peuple. Et tous ces gens-là composent la nation française. Il en est de même de l'Europe, hein. Vous voyez, alors maintenant, il y a, c'est comme des vases communicants. Il y a des Arméniens en Italie, hein, il y a des Arabes en Allemagne, il y a des Turcs en Allemagne, il y a des Turcs en Hollande, il y a des Turcs en France.
C'est vrai qu'ils s'assimilent, mais on n'entre pas tout nu dans un pays d'immigration d'accueil. Oui, mais bien avec sa culture. Donc ça, c'est, quand je dis au service des peuples, ça ne met pas en cause l'Union européenne ni l'unité de la nation. Au contraire, ça montre sa richesse. Ça, c'est un point très important. Monsieur Tahan, concernant la question arménienne, vous savez très bien qu'en France, on ne parle pas de génocide des Arméniens, on parle d'un génocide arménien. C'est justement pour éviter, on va dire, de montrer du doigt une population spécifique qui a, alors, bien entendu que le génocide n'est pas arménien, il est turc, puisque le crime de génocide lui-même est turc, contre la population arménienne, et non pas le contraire. Donc, effectivement, par rapport à la Constitution française, vous voyez bien qu'on évite à tous les niveaux de donner, on va dire, des droits spécifiques à une population, et donc, à cause de cela, on transforme un génocide des Arméniens en un génocide arménien. Donc, effectivement, il y a une volonté d'éviter de diviser la nation française en accentuant particulièrement une population par rapport à une autre, une communauté par rapport à une autre. C'est vrai, mais je crois que c'est une erreur politique. On sait très bien qu'en France, il y avait la langue d'oïl et la langue d'oc. Et jusqu'à maintenant, il y a quand même une différence civilisationnelle entre les provinces qui relèvent de la langue d'oïl, qui a donné oui, et la langue d'oc qui est dans le sud, qui n'ont pas le même accent, qui n'ont pas les mêmes dialectes, qui n'ont pas les mêmes coutumes. Vous voyez, ça, moi, ça ne me gêne pas. L'essentiel, c'est un acte volontaire d'adhérer. La nation est formée de peuples. C'est un problème de conscience politique et de choix que nous, on veut bien être français. Voilà, c'est là la question. Et c'est en ce sens-là que nous, j'ai adhéré, si vous voulez, à cette union des démocrates musulmans français, moi qui ne suis pas musulman, mais qui suis de culture musulmane et islamologue, pour moi, c'était défendre justement une tranche de cette population qui est mal nantie, un peu les sans-culottes, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est-à-dire, cette immigration, souvent les immigrés sont plus pauvres que ceux qui sont déjà là depuis longtemps. Même si on compare les récentes immigrations aux anciennes, on voit la différence. Quelqu'un, un Italien qui était là au début du siècle dernier, n'a pas la même histoire que quelqu'un qui a débarqué après les accords d'Évian, après la guerre d'Algérie. Vous voyez? Alors, on nous a tout de suite taxé de communautaires, parce qu'il y a le terme musulman. Personnellement, je ne vois pas de communautarisme. Preuve en est que moi-même, je suis dans ce parti et sur cette liste. Jean-Claude Antacli, qui est un penseur chrétien, qui a publié beaucoup, chrétien melkite de Syrie également. Il y a des Arméniens dans cette liste, il y a des Juifs, il y a des athées, il y a des chiites, il y a des sunnites. Vous voyez, ce qui nous unit, justement, c'est une lutte pour revendiquer, pour défendre les droits de cette tranche de population. Et c'est une ouverture. Alors là, on me dit, Monsieur Tahan se prétend chrétien ou se dit chrétien. Qu'est-ce qu'il fait sur cette liste? Mais ça, c'est un esprit étriqué de dire ça. On a le droit de défendre une cause et je me demande pourquoi ils ne sont pas choqués par les démocrates chrétiens, le terme chrétien, qui a gouverné l'Europe pendant des décennies. Et ça n'avait choqué personne. Les fondateurs de l'Europe sont des démocrates chrétiens, au départ. Alors, évidemment, le terme chrétien a disparu
parce que c'est dans le substrat de l'Europe, le christianisme. Alors là, on aborde le deuxième point, on nous dit oui, l'Europe est chrétienne, elle est judéo-chrétienne. Alors déjà, il y a un débat sur le terme de judéo-chrétien, mais si on entend par judéo-chrétien l'influence de la Torah, de la Bible, de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, comme on dit, c'est-à-dire il y a une composante juive et chrétienne. C'est vrai, mais si ce terme est employé pour exclure l'islam et les musulmans, c'est une erreur et c'est une méconnaissance de l'islam. L'islam reconnaît Abraham, reconnaît Moïse, reconnaît Joseph, et l'histoire de Joseph, n'est-ce pas, reconnaît la Vierge Marie, reconnaît la naissance surnaturelle du Christ. Hein? Le Christ est qualifié dans le Coran du Verbe de Dieu, et Dieu souffle de son âme pour que le Christ naisse. Et puis, comme vous savez, dans le Coran, Jésus est élevé vers Dieu. Hein? Vous voyez ? Alors, dire que l'islam n'a rien de judéo-chrétien, c'est une erreur colossale au niveau de l'histoire des religions. Ne serait-ce que sur le plan religieux, hein, pur. Alors, je crois que c'est une volonté plus d'exclure que d'assimiler. Hein. Mais la particularité du parti que vous proposez ou auquel vous adhérez est quand même, c'est la défense des droits des peuples. Exact. Et donc, est-ce que ça ne va pas à l'encontre de l'étiquette, en fait, musulmane que vous avez donc mise en avant? Je ne le pense pas, parce que vous voyez, historiquement, le terme de musulman, culturellement et au niveau civilisationnel, est un terme commode pour désigner pratiquement 14 siècles d'histoire de civilisation musulmane. Or, dans cette civilisation musulmane, c'est délicat. Vous ne pouvez pas l'appeler la civilisation persane. C'est la civilisation persane, mais après l'apparition de l'islam. Il y a une civilisation persane qui a précédé l'islam. Il en est de même, ceux qui ont fait l'apogée, l'époque d'or de Bagdad et de cet empire arabo-musulman, c'est aussi un terme commode, c'est que la langue arabe, à un moment donné, était la langue véhiculaire de tout cela. Mais c'est pas vrai non plus. Il y a des écrits en turc, il y a des écrits en arménien, il y a des historiens arméniens, il y a des écrits en farsi, la langue des Perses, il y a des écrits en hébreu. Je vous donne un exemple d'hébreu. Les rationalistes musulmans, qu'on appelle les Mu'tazilites, ben, il y a une école théologique juive au Moyen-Âge qui s'est inspirée des Mu'tazilites musulmans pour l'appliquer à la religion juive. Et on a des manuscrits de cette tendance rationaliste juive à la BN, à la Bibliothèque nationale à Paris. Donc, vous voyez, le terme de musulman ne devrait pas nous choquer. Moi, personnellement, bon, c'est pour autre raison, moi, l'islam ne me fait pas peur. Ceux qui me font peur et contre qui je lutte, ce sont les gens qui ont mal compris l'islam. C'est Daesh, c'est Al-Nusra, c'est Al-Dawa, mais l'islam en lui-même est une religion. Vous savez, si on traite ces gens-là de fascistes, de gens qui veulent conquérir le monde, ben, on en a aussi dans la religion juive, dans la religion chrétienne. Il y a eu des gens fascistes qui sont extrémistes, qui ont massacré, qui ont tué. Je crois que là, les trois religions monothéistes se valent si on veut chercher des extrémistes dans chacune. Donc, quand je dis, ce n'est pas en contradiction avec le peuple, parce que pour moi, comme je vous ai dit, tous ces immigrés forment un peuple nouveau qui est formé de Marocains, d'Algériens, de Tunisiens, d'Asiatiques, mais il y a peut-être quelque chose de commun, c'est en ce sens-là. Je vous donne un dernier exemple. En 90, moi j'ai pris la défense de la langue bretonne. J'étais invité en Bretagne à Douarnenez, où j'ai fait un grand discours défendant la langue bretonne.
c'était le problème déjà européen, c'était après 90, reconnaître les langues régionales. La France n'a pas signé ce texte-là. La France ne reconnaît pas tout à fait, comme le veut l'Europe, un statut pour toutes les langues régionales. C'est-à-dire, là, j'ai dit que pour moi, et je le redis, l'arabe est une langue régionale de France. Vous allez me dire, mais enfin, mais oui, c'est une langue régionale. Il y a au moins 5 millions qui parlent des dialectes arabes ou du kabyle. C'est une autre langue régionale. Et de ce point de vue-là, ça fait maintenant partie du patrimoine français de cette nation. On peut parler, si vous voulez, passons à la tradition culinaire. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que le couscous, passez-moi le terme un peu jovial d'évoquer cette partie culinaire, ne fait pas partie aujourd'hui de la culture française. Hein. Les merguez, le couscous, ça peut être le taboulé récemment, le hummus, avec, suite à la guerre civile libanaise. Moi, en débarquant en France il y a 40 ans, vous savez, il n'y avait pas de hummus, hein. Mais le couscous existait déjà. Alors, justement. C'est important, ça. C'est ouais. Important. Prenez le soujouk arménien. Le soujouk arménien existe depuis, justement, l'arrivée des Arméniens en Europe. Alors, revenons sur le système d'intégration en France. On a l'impression, lorsque on écoute les hommes politiques, justement, français, que ce système d'intégration est arrivé à saturation. Alors, pourquoi je mets le doigt sur cette question? Parce que en Turquie, il faut que vous sachiez qu'ils ont adapté le modèle français d'intégration, et ça n'a pas été un modèle d'intégration, ça a été un modèle de désintégration, à tel point que la Turquie a dû prendre des décisions pour génocider ou déplacer des populations, alors que les populations arméniennes, bien entendu, en particulier, mais aussi les Grecs, Pontiques, Assyro-Chaldéennes, et donc n'a pas eu un fonctionnement qui a permis d'intégrer facilement ces populations. Alors, vous allez me dire, c'est différent parce que en fait, la Turquie ou l'Empire ottoman est un État qui est venu donc se positionner sur des anciennes populations ou des populations autochtones, et ce sont ces populations qui étaient véritablement enracinées sur ces territoires avant même la présence d'une tribu turque dans la région. Bon, c'est vrai qu'en France, on n'a pas de population aussi ancienne. Bon, on a les populations celtes, on les a rencontrées à l'ONU, dans le cadre de l'ONU, et c'est vrai qu'elles défendent encore leurs traditions, mais on n'a pas cet enracinement de population, et ce qui fait que l'assimilation des populations donc venues d'Afrique du Nord ou même d'Asie mineure s'est faite donc de façon très positive jusqu'à un certain temps. Donc, que se passe-t-il aujourd'hui qui fait que le système politique a du mal d'intégrer des populations, les nouveaux arrivants? Alors, vous voyez, déjà, moi, je mettrais un bémol à ce que vous avez dit sur la Turquie. Pour moi, la Turquie s'est fondée sur une épuration ethnique pure et simple des minorités que vous avez citées, qui n'étaient pas ce minorités. Ce ne sont pas des minorités, ce sont des populations autochtones. D'accord, mais si vous voulez, c'est le terme courant, on parle de minorités. C'est un terme qui était employé par la Turquie. Ok, mais même en sortant de la Turquie, le terme minorité est employé un peu partout, que c'est des minorités maintenant. Oui. Mais ces minorités ont été majorités à un moment donné de l'histoire. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que quand la Turquie, soi-disant laïque, va être fondée, elle va être fondée sur l'élimination des Grecs pontiques, hein, 750 000, hein,
des Assyro-Chaldéens ou des Chaldéens tout court, des Syriaques, des Arméniens, c'est-à-dire cette Turquie a perdu ou a chassé ou a génocidé ses chrétiens. Et pourtant, c'est le modèle français. Sa constitution était basée sur le modèle français. Maintenant, vous soulevez le problème de ceux qui ont échappé à ces génocides différents et qui sont restés en Turquie. Non. C'est ça, parce que la majorité quand même a été soit massacrée, soit évacuée. Non. Pour le cas des Grecs, des Arméniens, beaucoup de Syriaques, d'Assyro-Chaldéens se sont réfugiés en Syrie après les massacres. Hein, d'autres sont allés... Mais la Syrie aussi, sa constitution est sur le modèle français. La constitution syrienne. Toutes les constitutions du monde arabe s'inspirent du code napoléonien et de la constitution française. Mais moi, ce qui m'intéresse, vous vous souvenez quand il y a eu le problème de l'Irak. Et là, vous savez, revenons à la constitution irakienne. La constitution irakienne reconnaît une nation irakienne composée de plusieurs peuples, chose que la France même a mis longtemps à admettre. Est-ce que quand on parle des Corses, par exemple, la France dit « il y a un peuple corse qui fait partie de la nation française » ou non, il n'y a que des Français. Déjà l'Irak, qu'on a détruit et qu'on a taxé de je ne sais pas quoi, était un pays laïque, ne serait-ce que sur la reconnaissance, comme j'ai défini au début, de plusieurs peuples qui forment une nation. Alors, la nation irakienne, il y avait des chiites, des sunnites, il y avait des turcs, et il y avait des kurdes, et il y avait, on dit, un peuple kurde. Il fait partie de la nation irakienne. Donc, là, je ne suis pas spécialiste de l'histoire de la constitution française, mais déjà l'Irak, quand il reconnaissait les Kurdes comme un peuple faisant partie de la nation irakienne, c'est quelque chose de révolutionnaire. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, la France dira « on a plusieurs peuples en France qui constituent la nation française ». C'était une tentative un peu de Macron quand il a prôner la multiplicité, qu'il y a plusieurs cultures pour s'opposer aux souverainistes identitaires. Hein. Vous savez, ce débat qu'a voulu lancer Sarko, et après Hollande, et qu'est-ce que la France finalement, l'identité nationale? C'était un peu ridicule, parce que quand un immigré opte pour la France consciemment, et devient français, ça y est, il vient avec sa culture, mais il opte pour un pays. On ne va pas lui dire « non, tu vas changer toute ta culture pour devenir français ». Non. Donc, mais Macron a utilisé cela pour lutter contre et pour faire éclater la droite sur le problème de l'identité. Qu'est-ce qu'être français aujourd'hui? Mais je crois que, au fond, philosophiquement, c'est vrai qu'on ne peut pas entrer dans un nouveau pays tout nu. On vient avec sa culture et il y a une nouvelle culture qui se crée en France. C'est comme un creuset, la France, où ces différentes cultures sont actives, dynamiques et créent une nouvelle culture. C'est ça l'apport qui est riche, voyez-vous. Donc, de ce point de vue-là, moi, j'insiste sur les particularités des langues régionales et sur la richesse qu'apportent les uns et les autres en se faisant naturaliser français. Alors, pourquoi ils ne sont pas intégrés? Là aussi, c'est le problème. Alors, on attribue ça au problème religieux. On dit tout le monde s'intègre sauf les musulmans. Vous savez, c'est facile à dire comme ça. C'est un raccourci dangereux. Il faut voir que si ces musulmans ne se sont pas intégrés, il y a des raisons pour cela. Il y a des musulmans intégrés, des musulmans pas intégrés. Alors pourquoi il y a, peut-être qu'aujourd'hui aussi, avec les problèmes économiques que nous avons, l'intégration ne se passe pas facilement.
c'est-à-dire à l'époque de la colonisation et juste après, la France économiquement se portait très bien. Aujourd'hui, on a une crise mondiale. Alors, vous savez, quand il y a une crise économique, apparaissent à la surface les problèmes qui sont profonds et qui sont causés par cette crise économique, à mon sens. Mais est-ce qu'il y a un vrai problème d'assimilation, d'intégration? Oui, mais ce n'est pas la faute des immigrés. Il faut se partager les responsabilités. Peut-être qu'on ne leur a pas donné tous les moyens de s'intégrer. Hein? Et c'est là la question. Moi, quand je défends la cause des sans-culottes de cette couche de population démunie, ce qu'on appelle, il y a un terme en arabe et en islam très beau, le mustadrafin, c'est-à-dire les gens qu'on considère comme faibles. Hein, et c'est important. Il faut que les chrétiens de France, par exemple, ou même ceux qui sont de la France des Lumières, s'ouvrent à cette couche de population et considèrent ces problèmes. Si vraiment nos partis politiques étaient efficaces et tout, on n'aurait pas connu cet effondrement. Où est la gauche aujourd'hui dans les élections européennes? Zéro. Où est la droite? Zéro. Zéro. Je dis zéro, c'est fini, ce n'est plus des partis nombreux, c'est une lutte de chefs. On réduit toute la vie politique, à mon sens, aux arrivistes qui ont rejoint Macron, hein, avec ce nouveau parti, d'ailleurs, qui s'effondrera rapidement à cause de l'intérêt, du conflit d'intérêts de ceux qui le composent, et le Rassemblement national. D'accord? Alors, Rassemblement national, ça rassemble qui? Hein? Pourquoi rassemblement? On rassemble qui? On rassemble des peuples? Non, on rassemble une nation. Au nom de quoi? Au nom d'une certaine monochromie. Il faut que tout le monde soit identique, justement, c'est-à-dire chasser l'intrus. Et tous ces peuples qui aujourd'hui forment la richesse de la France sont pour le Front National ou le Rassemblement National des intrus. Et, hein, d'emblée sont exclus. De la vie politique. Vous connaissez beaucoup d'hommes politiques qui viennent de ces peuples dont on a parlé? Moi, j'en connais pas. Ça me tient à cœur. Absolument. Alors, bon, si j'ai bien compris, selon les indications, vous avez obtenu 28 500 voix. Oui, on était 19e. Alors là, je vais vous dire pourquoi on n'a pas obtenu plus. C'est très simple. On a été reconnu le vendredi soir. Hein. Il fallait rendre les bulletins après le week-end, le lundi, je crois, à 14h ou midi et demi. Je ne me souviens plus. Pourquoi on n'a pas publié les bulletins? Il y avait deux problèmes. Le problème de l'argent, il fallait au moins 200 000 euros pour publier les bulletins. Et l'autre problème, c'est qu'il y avait un problème de temps. Hein. On ne peut pas, pendant un week-end, hein, publier ces bulletins-là. Alors, pourquoi on les a pas publiés avant? Parce qu'on n'était pas sûr d'être agréé par le ministre de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, au départ, on a vu que certains autres partis n'avaient pas rempli la motion manuscrite et ils ont été agréés, mais pas nous. C'est ce que j'ai entendu de mon président de parti. Hein. Bon. Moi, je ne l'ai pas entendu, mais je transmets ce que j'ai. S'il a bien compris, je suppose qu'il a bien compris. Donc, il y avait au départ comme un doute. On voulait de nous, on ne voulait pas de nous. Et là, je dirais vive la France, vive la République, c'est le Conseil d'État qui est intervenu, faisant comprendre au ministère de l'Intérieur qu'on avait le droit, encore, un délai de 48 heures, je crois, ou un peu plus, 3 jours en tout, pour remplir ces formulaires CERFA avec la motion manuscrite et la signature. Il manquait quelques formulaires pour certains colistiers dans la liste, voyez-vous. Ça explique, à mon sens, pourquoi on n'a pas eu beaucoup de voix. Parce que tous les gens qui ont voté pour nous ont téléchargé le bulletin. Donc, revenons à cette population démunis, mal nantis, on voyait mal comment, vous savez, en France, il y a 5 à 6 millions
même certains disent 7 millions de musulmans, de différentes appartenances ethniques ou civilisationnelles. Il y a des Turcs, il y a des Arabes d'Afrique du Nord, il y a des Africains du Centre-Afrique, il y a de l'Asie, il y a de partout, n'est-ce pas? L'islam est très varié et polychromique, polychrome. Donc, voilà, sans doute, ces gens-là n'ont pas pu télécharger les bulletins. Mais je vous promets, cher président de l'Arménie occidentale, qu'aux prochaines élections, hein, on aura beaucoup plus de voix, parce qu'on aura les bulletins. Hein. Et là, on ne va pas rater une seule élection, que ce soit les législatives. Chaque fois qu'il y a des élections, le Parti des démocrates musulmans français sera présent. Hein. Et là, vous voyez, on va faire un calcul très simple. Si cette population avait été sensibilisée, vous vous rendez compte le nombre de voix, hein? Le nombre de voix, si tout le monde votait pour ça, vous battrez déjà le Rassemblement national. Parce que finalement, le Rassemblement national a eu 5 500 000 de voix. La République en marche, 5 millions. D'accord? En fait, c'est peu, hein, finalement. C'est-à-dire que ces gens-là sont élus par, en gros, 10 millions. Mais qu'est-ce que 10 millions par rapport à la population française? Oui. Là aussi, c'est un des problèmes de ces élections, avec l'abstention. C'est-à-dire, ceux qui ont dit oui à la République en marche, d'ailleurs, la République en marche a perdu, hein, le pari. Et puisque Macron voulait écraser le Rassemblement national, il l'a transformé en un duel avec Marine Le Pen, il a perdu le duel, je suis désolé. Hein. C'est le Rassemblement national qui vient en tête, vous voyez. Moi, je dis qu'il y a, comme vous m'avez dit une fois, un potentiel très fort. Il faut l'exploiter, ce potentiel. Il faut organiser ce parti, c'est ce qu'on est en train de faire. Et je suis sûr que plus il y aura de cadres, plus il y aura d'ouverture. Hein. Par exemple, quand les Arméniens, vous le savez très bien, se sont ouverts à ce parti et à cette liste, on a eu des votes de gens pas forcément musulmans. Hein. Et c'est important. Alors là, l'avenir nous dira, hein, si on réussit ce pari, c'est-à-dire à sensibiliser cette couche de population, ça peut être un parti très puissant, hein, qui peut faire la pluie et le beau temps en France, hein, avec le potentiel dont il dispose. Mais malheureusement, hein, il n'y a pas d'hommes politiques qui sont issus de cette immigration musulmane, entre guillemets. Et quand je dis musulmane, c'est pas islamiste, hein. Alors, parce que là, on tombe dans les amalgames tout de suite. On voit musulmans dire oui, ça c'est les terroristes. D'ailleurs, on me l'a dit dans un débat public que islam et démocratie, c'est un oxymore. Je ne vois pas pourquoi, hein, puisque dans le Coran, il est bien précisé « wa amruhum shura baynahum » et leur affaire est une consultation, mot à mot, entre eux. Hein. Et dans tous les parlements des pays musulmans, c'est ce verset coranique de la sourate, il y a une sourate, c'est-à-dire une sorte de chapitre du Coran, qui porte le nom de Shura. Shura, c'est la consultation. Alors, ne venez pas me dire que l'islam ne peut pas être démocratique. Hein. S'il y a des gens qui ne sont pas démocrates et musulmans, ce n'est pas le problème de l'islam. Hein. C'est leur problème, hein, de ne pas être démocrate. Est-ce que tous les Français sont démocrates, mon œil, hein? Ben écoutez, Monsieur Tahan, si vous êtes d'accord, on va pouvoir conclure sur ces belles paroles. Et bien entendu, je constate que vous avez encore beaucoup de travail à réaliser. D'un autre côté, je constate aussi que vous êtes très motivé pour ça, et c'est très important. J'espère qu'il y aura d'autres parlementaires de l'Arménie occidentale qui vont nous rejoindre sur la liste prochaine dans les législatives et tout simplement des gens de cette Arménie ou d'autres civilisations qui forment cette belle mosaïque française
moderne, hein, la France, à travers son histoire, s'est enrichie de tous les apports. Hein. Eh ben, et elle a toujours été terre d'asile, j'y crois. Hein. Alors, concernant le Parlement de l'Arménie occidentale, bon, comme vous savez bien, il n'existe aucun parti politique au sein du Parlement de l'Arménie occidentale, puisque nous, nos débats, nos échanges se font davantage sur des prises de conscience, sur des idées, sur des travaux qui permettent de justifier certains choix et certaines lois qu'on met en place pour pouvoir construire notre avenir législatif. Donc, la démarche est un tout petit peu différente. De toute façon, ce qui compte beaucoup, en l'occurrence pour nous, c'est les échanges que l'on a avec vous et les questionnements qu'on vous propose, les réponses qu'on reçoit pour affiner nos analyses. Entendu. Moi, j'espère que si un jour ce parti de démocrates musulmans français a des responsabilités politiques, il insistera sur le dédommagement des Arméniens et sur la revendication territoriale, hein, et la poursuite des génocidaires de Turquie qui ne reconnaissent pas le génocide des Arméniens. Alors, le chapitre n'est pas clos. Effectivement, mais comme on l'a dit à notre dernière réunion, vous savez très bien que le président Erdogan a mis le doigt sur le déplacement forcé des populations arméniennes, donc qui sur le territoire de l'Arménie occidentale, c'est-à-dire que déjà le territoire de l'Arménie occidentale était reconnu comme un État par le Conseil suprême des puissances alliées, et donc l'invasion de nos territoires par les forces kémalistes ont fait qu'accentuer le déplacement, les massacres et le déplacement de nos populations. Et donc, de ce fait-là, si vous voulez, effectivement, nous souhaitons vous proposer un dossier qui permettrait pour vous et puis pour les autres personnalités qui vous entourent de mieux saisir la question arménienne et la question des droits des Arméniens. Il faut savoir que prochainement, on a aussi une importante réunion dans le cadre de l'ONU où on défend directement devant les États les droits de l'Arménie occidentale et les droits des Arméniens. Voilà, je voulais vous remercier, Monsieur Taran. Merci à vous. Et puis, merci, donc, on soulèvera d'autres questions lors de nos prochaines réunions. Merci et à une prochaine fois. Alors. Merci à vous.